Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve cette fois-ci pour le test de Attack of Titans Wings of Freedom sur PlayStation 4. Édité par Endgames, Game Samba et développé par Omega Force et Tecmo Koei, les fameux développeurs des grands et puissants Dynasty Warrior et autres licences Warrior, sorti officiel le 26 août 2016, et Peggy nous le déconseille au moins de 18. Donc voilà un jeu que j'attendais tout particulièrement en ce mois d'août, car je suis un grand fan de l'animé. Voilà, je préfère prévenir. Je vais m'appuyer sur l'un des chapitres de l'histoire qui se trouve dans le mode attaque. Donc en gros, c'est le mode solo. À savoir que le jeu refait la saison 1 et 2 du jeu. Donc si vous voulez ne pas être spoil, eh bien, dès que je vais lancer le jeu, je vous déconseille fortement du coup de regarder, car selon moi la mission que je vais faire est un des moments les plus importants de la saison 2. Voilà, je précise bien, je suis au moment de la saison 2. Du coup, avant de s'attaquer au mode attaque, je vais vous parler vite fait du mode expédition. On va y aller directement, comme ça je vais pouvoir vous en parler. Les personnages que l'on peut diriger, on les obtient en faisant un bon rank lorsque on les joue dans le mode solo. Donc vous pouvez voir quand même qu'il y a des personnages plutôt secondaires. Bon, vous allez me dire que Jean reste à peu près un personnage principal parce qu'il fait des monologues assez importants. Mais par exemple, Connie Springer, lui, il est, pour moi, ça reste un personnage quand même qui reste assez secondaire, mais il peut être joué. Vous voyez qu'ils ont tous leurs forces, dextérité, concentration, santé, endurance et leadership. Donc voilà, il y a Jaeger, sa sœur adoptive Misaka, son ami d'enfance, meilleur ami Armin, et mon personnage préféré, putain, j'ai débloqué Levi! Oui, pour ceux qui connaissent, vous avez qu'à voir ces stats qu'il a, c'est assez ouf. Niveau 4, vous allez me dire c'est peu, mais vraiment, le niveau ne monte pas vite du tout. Donc voilà, vous pouvez diriger tous les personnages et ils ont leurs propres attaques que l'on connaît dans l'anime. Je vais me mettre en hors ligne pour le lancer plus rapidement. Pourquoi il est en ligne? Oui, si vous posez la question, je vous dis oui, rassurez-vous, 2 à 4 joueurs en réseau. Vous pouvez partir faire votre petite expédition et aller flinguer du titan jusqu'à 4 potes. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, que les titans, en fait, sont des humanoïdes qui sont apparus on ne sait comment. N'ont pas d'appareil reproducteur, donc on ne sait pas comment ils se reproduisent. Ils n'ont pas non plus d'appareil digestif, donc en gros, ils sont au-dessus de la chaîne alimentaire. Ils mangent les humains juste pour les manger, pour les tuer. Ils les traquent. Comme ils ne peuvent pas du coup les digérer, au bout d'un moment ils saturent, ils les vomissent en fait, donc c'est assez dégueulasse. C'est un manga quand même qui, enfin pas gore, enfin si, il l'est, mais bon, il y a pire quoi, c'est pas un manga style Claymore quoi. Comme vous pouvez le voir, Tecmo Koei, Omega Force représente la petite map en haut à droite, comme sur les Gundam, les Samurai Warrior, Dynasty Warrior et autres. On reconnaît bien les gens qui veulent nous parler avec les petites bulles, les différents vendeurs. Donc voilà, on va parler vite fait des vendeurs qui s'appellent c'est les logisticiens, il me semble. On va parler à la vendeuse. Voilà, logisticien, c'est ça. Donc du coup, vous pouvez acheter des lames, forcément. Avec leurs propres stats, des fourreaux pour les lames et un équipement de tridimension. À savoir que les fourreaux contiennent aussi les bonbonnes de gaz qui seront plus ou moins importantes. Pour avoir les matériaux, par exemple, là il me manque instruction génétique de haut rang, il m'en faut deux. Donc là, à ce moment-là, il faudra que j'aille voir le vendeur de matériaux. On peut bien sûr améliorer nos équipements si on tient à les garder. L'argent se gagne du coup en faisant les missions, forcément. Puis ensuite on peut revendre, c'était la touche encaissée. Lui c'est le vendeur de matériaux, donc du coup ce qui peut me manquer. Et lui c'est en gros, il fait des plans de titans. Et c'est à cet endroit là, cet endroit vide là qu'il y a après cette clôture, il y a un grand titan qui est affiché. C'est un peu en mode totem, ça fait de la déco. Vendeur de chevaux pour pouvoir parcourir la map plus vite. Mais bon, la tridimension fait grandement le taf. Et donc du coup, ce fameux mode expédition vous propose deux modes de jeu.
Les missions de reconnaissance, donc là ce sont du coup, on sélectionne, vous avez un pourcentage de zone, ça va jusqu'à 100% forcément, et donc les effacés, ce sont des missions que j'ai pu faire, et les nouveaux, bon ben ce sont des missions à faire pour compléter le pourcentage. Et sinon vous avez les missions d'expédition, et là vous partez du coup pour 3 missions d'affilée, non-stop, pour pouvoir ben, avancer dans la map. Bref, ça reste un mode expédition, c'est un peu le mode libre en fait, si vous préférez. Du coup voilà, je vous ai parlé vite fait du mode expédition. Je vais directement alors m'attaquer voilà, à une phase de gameplay qui risque d'être plus, plus complète qu'un simple mode expédition. On va partir directement dans le mode attaque. Et je vais continuer le mode solo. Donc là, par exemple, je vous explique un peu l'histoire. Vous voyez qu'il y a 3 murs, le mur Maria, Rose et Sina. Au moment de l'animé, le mur Maria a été détruit, le mur Rose était en piteux état. Plus on se rapproche du centre, plus on se rapproche des habitants qui côtoient tout ce qui est l'aristocratie. Les nobles, les personnes riches sont au centre et les paysans sont le plus à l'extérieur et donc aptes à se faire attaquer par des titans qui pourraient éventuellement passer ces grands murs qui mesurent 50 mètres de haut. Le manga commençant avec un titan que l'on appelle le titan colossal mesurant 60 mètres qui arrive à percer, à créer une brèche dans le mur Maria. Et l'animé commence comme ça, dans les années, c'était en 850 il me semble, ou 845, je sais qu'il y a 5 ans d'écart. Non voilà, c'était en 845 que le titan colossal les a explosés, a explosé le mur. Pendant 5 ans, plus aucun titan, et en 850, ça recommence, et là, l'animé débute. Dans le mode solo, vous avez remarqué en bas de la map que c'était les mêmes vendeurs que dans le mode expédition. Ici, l'explorateur, donc du coup, c'est exactement la même chose. On peut refaire dans le mode solo si on ne veut pas aller dans le mode expédition. Là, c'est le mode refaire la mission que l'on veut, directement, si on veut améliorer notre rank. Et ici, on sélectionne les missions principales. Vous l'avez bien vu, je dirige du coup Levi, dont j'en suis au chapitre 2, je dirige mon personnage préféré. Il est tellement badass, le caporal Levi. Ah là là, caporal de l'infanterie de l'escouade d'expédition. Donc voilà, il y a trois catégories d'escouades. Une qui se charge de la sûreté du mur, une qui est plus au centre, qui veille au bien-être des nobles, des aristocrates, et celle qui fait les expéditions et qui essaye d'étendre et de cartographier les alentours pour savoir où les titans se situent et éventuellement bien sûr trouver un remède et peut-être trouver aussi la source du problème, d'où viennent ces titans, comment ils ont été créés et bien d'autres histoires se rapprochant à ce but. Donc voilà, la mission du coup va commencer, petit temps de chargement avec des explications sur les personnages ou sur les alentours, de toute façon je vous parlerai plus en détail du jeu dès que le gameplay sera lancé. Bon, du coup... normalement on est censé faire une mission qui va un peu spoiler, mais je pense qu'en fait je vais j'ai pas envie de vous faire de spoil, je vais passer directement tout ce qui se dit, comme ça au moins vous ne comprendrez pas, moi j'ai vu l'anime, je sais de quoi il en retourne, voilà, comme ça en fait pas de spoil, vous pouvez regarder sans trop vraiment comprendre ce qui va se passer. Bon après, cette jeune femme un peu surexcitée, elle fait d'énormes recherches sur les titans et elle en a besoin vivant. On commence enfin avec Levi sur son cheval. Bon après, le cheval va aider uniquement quand on n'a pas d'obstacles, de parois auxquelles attacher la tridimension. Donc le but est simple, viser différentes parties du titan, y amener votre personnage, attaquer avec triangle, carré c'est la tridimension. R1 pour target le titan et ensuite voilà. Donc là on peut recruter, oui voilà, on peut le recruter, voilà les ordinateurs, on peut les recruter avec nous, ils ont différents rangs de D à S et donc après ils seront meilleurs en fonction. Alors c'est parti. Donc je vais aller au point d'exclamation. Donc le but après pour avoir beaucoup de points bien entendu c'est de faire les différents points d'exclamation qui vous sont donnés. Pour ainsi récolter les meilleurs points
Ah, ma tridimension s'est détachée. Putain, l'autre titan, il était passé devant. Ah oui, si vous en avez un obstacle, votre personnage tombe. Après, il n'y a pas de dégâts de chute. Donc, tant mieux. Lui, hop, on va lui couper la guibole. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez nerveux. Voilà. Ça perd pas de temps. Donc, en bas, la jauge jaune qui se charge, ben, c'est un petit peu, on va dire, mon musou. Je vais pouvoir, du coup, être beaucoup plus fort. Ma jauge de gaz en bleu et mes lames ne perdront plus de durabilité pendant le temps où cette barre jaune sera activée. L'avantage avec Levi, c'est que bon, comme c'est un personnage qui est assez chaud à débloquer, il fait comme dans le film en fait. Plus il avance, plus il fait de rotation sur lui, plus il y a de rotation, plus son coup fera mal. Et l'avantage avec Levi, c'est qu'on peut attaquer un titan même de face. Pour tuer un titan, il faut leur couper la nuque. Peu importe quel autre membre vous voulez couper, il repoussera dans une espèce de vapeur super chaude. En même pas 2 minutes, il va retrouver son membre. Pour vraiment anéantir un titan, c'est la nuque qu'il faut couper. Voilà, maintenant ça, vous le savez. Après, ce que je peux dire par exemple du jeu, c'est que mine de rien, dans le solo, il y a beaucoup d'étapes par rapport à l'anime qui sont sautées. On passe vite fait à autre chose. Ouais, mais en fait, après, ce serait carrément vous spoil pour ceux qui aimeraient faire le jeu. Alors, vous avez vu, je l'ai attaqué frontalement, il a réussi quand même à se passer derrière la nuque pour attaquer. Levi est vraiment génial. Alors, oh putain, lui, donc il se déplace un peu bizarrement pour les bouffer. Il y a différents titans, différentes tailles. Ça peut être 5, 7 mètres, 10, 15 mètres, 25 mètres. Le plus grand que l'on connaisse fait 60 mètres. Et il y a des titans normaux. Et il y a des titans, en gros, qui vont vous attaquer, vous, qui seront fixés sur sur une seule personne et qui n'arrêteront pas leur charge, en fait. On appelle ça des titans déviants. Voilà, les déviants, en fait, sont beaucoup plus chiants parce qu'ils courent, ils ne marchent pas. Et ça, c'est beaucoup plus chiant. Donc voilà, vous pouvez le voir, je perds pas de durabilité pendant qu'il y a cette barre que j'ai activée. Voilà, il active une espèce de fusée à fumée bleue. Bon, l'anime ne nous dit pas ce qu'est une fumée bleue. Il y a plusieurs codes de fumée. La fumée verte, c'est un titan repéré. La fumée rouge, c'est un danger parce qu'il y a un titan qui, du coup, va ignorer certaines personnes et va s'attaquer à une personne en particulier. La fumée, une smoke noire, c'est une retraite directement, un abandon de mission parce qu'il y a trop de danger, trop de pertes humaines. Le rouge, je vous l'ai dit, c'est les titans déviants. En fait, voilà, quand j'ai dit que je pensais faire une mission où est-ce qu'il allait avoir un peu de spoil, c'est parce que je pensais avoir affaire aux titans femmes, je ne vais pas en dire plus, mais en fait, je sais que c'est juste après. Ceux qui ont vu l'anime, je pense que voilà, vous savez, c'est l'épisode où on commence à rencontrer Levi et qui fait un putain de ménage. Donc du coup, voilà, je suis pas loin de ce moment. Mais bon. Donc voilà, je vais faire d'autres points d'exclamation avant de vite terminer, parce que mine de rien, si on fait tout, et convenablement, ben, le titan principal, enfin celui qui va nous faire terminer la mission, peut apparaître et on peut finir une mission en... je crois que mon record c'est 1 minute 40 la mission. Ça peut être très très rapide. Voilà. Je vais ramasser ça, hop. Vous voyez, petite animation, il se penche. Du coup, alors, allons vers le point d'exclamation rouge. Il y a un déviant, on va regarder la tronche qu'il a. Il doit peut-être courir sûrement. C'est un tout petit. Le petit, c'est un petit déviant. Le gros, il a pas l'air de faire chier. Putain, l'autre, il me cache. Ah, il me casse les couilles, le gros. Attends, voilà. Oh, en plus, il s'est fait tomber. Génial, voilà. Donc, quand un titan vous fait chier, toujours coupez-lui une jambe. Ça le déséquilibre. Et du coup, vous avez accès à sa nuque. Forcément. Vous avez un timer, vous voyez, ces petites barres vertes tout autour du cercle du portrait de la personne. C'est le temps qu'il lui reste avant de crever, en fait. Et ça reste quand même des missions secondaires. Il faut aller l'aider, et ainsi, du coup, bah, le sauver. Quand vous recrutez des gens, vous avez plusieurs ordres à donner. Se concentrer, donc il attaque en même temps. Ça y est, le titan est apparu. Voilà, mais aussi, voilà, ils peuvent se disperser, donner des ordres, aller à des endroits précis, etc. Point de vue animation... je vais vous montrer en fait, je vais vous montrer un truc. Voilà comment les bouteilles de gaz, hop, elles s'enlèvent. Et je vais les lames,
il les enlève en les déclipsant et on reprend dans le fourreau une nouvelle lame et on re-augmente sa durabilité. Voilà, c'était pour vous montrer la petite animation, vous pouvez les changer. Comment s'en procurer ? Ben, dès qu'il y a des gens qui sont morts, on peut ramasser au sol. Vous avez vu que je pouvais ramasser plein d'objets, ça vient de gens qui sont décédés. Où il y a des logisticiens, il me semble, qui filent des items, en fait. Oula, une requête, du coup, urgente. Si mon cheval veut bien passer. Ouais, en effet, il a plus beaucoup de temps. Mais urgente, c'est bizarre que ce soit une smoke violette. Je connais pas, en fait. Dans ce code de couleur, de toute façon, normalement, il n'y a... D'après ce dont je me rappelle, putain, le déviant, quand ça court, ça c'est chiant. Voilà, c'est vert, je vous rappelle, pour... Un titan qui a été trouvé, rouge, un déviant, noir, repli immédiat, c'est la merde. Je sais que dans un autre épisode, il y a aussi une fumée blanche, je crois, pour annoncer que la mission est un échec, et jaune, la mission est une réussite, ou alors c'est l'inverse. Je sais plus dans quel épisode c'est, ça ne dure qu'un épisode. Désolé de ne pas connaître tous les codes de couleur, je n'ai vu que tous les épisodes une seule fois. Et puis, quand j'ai voulu vraiment faire ce test, pour savoir de quoi il fallait que je parle, je me suis regardé les deux saisons, et franchement, j'ai pris énormément de plaisir, et c'est limite un de mes mangas préférés, franchement, je le trouve super bien fait. Je vais m'arrêter devant ces types qui vont me refiler des items. Allez, approvisionnement, vous voyez, lame 3, je passe, vous voyez, regardez ma bonbonne de gaz, je devrais en avoir 2, voilà, tous les objets, c'est plus 1. Donc du coup, c'est des mecs qui ont des sacs à dos, vous le voyez sur la map version Dynasty Warrior, et on va, on va se diriger, de toute façon, la barre bouclier bleu, c'est nous, les titans, c'est la barre rouge en haut à droite, vous voyez que, bon, on mène grandement. Ouais, bon, enfin, je dis ça, il y a quelqu'un qui vient de crever. Je vais me diriger vers le titan final. Et on va terminer la mission. Après, bon, bien sûr, ce n'est que ça à faire, mais bon, c'est un jeu qui s'adresse aux fans, et croyez-moi que jouer de la tridimension, c'est un plaisir sans pareil, où lassitude ne peut arriver, quoi. Une sensation de non-lassitude qui est vraiment présente, et donc du coup, on peut vraiment s'éclater, quoi. Toi, j'ai dit que j'allais m'occuper de toi plus tard, je m'occupe de l'autre, viens ici. Hop! Liva, il y a vraiment la classe. Alors, allez. Toi, la guibole. Croc. Putain, il a vachement de vie, lui, par contre. Je lui ai pas sectionné la jambe. On va attaquer la nuque. Ah, mais merde, putain, et non. Et oui, il reste encore des parties défensives. Donc, en gros, oui. Des fois, quand il y a la croix sur la nuque, ça veut dire qu'il est trop puissant pour que la nuque puisse être touchée. Il faut taper un petit peu partout. Et une fois que c'est fait, vous pouvez à nouveau retenter la nuque. Hop. Allez, crac, le bras c'est fait, l'autre bras c'est fait, non, toujours pas, la jambe peut-être, j'essaye de lui péter la guibole, tiens, il avance à genoux quoi le type, il perd pas du temps quoi, il a pas le temps niaiser, ça y est, c'est bon, voilà, plus de croix sur la nuque, et on va pouvoir enfin le terminer, crac. Putain, c'est qu'il est fort, putain, il faudra 2 coups. Dégage! Bon, après, bon, prise d'angle de caméra, un petit peu bof. C'est un peu dommage. Hein. Point négatif, du coup, ce serait l'angle de la caméra quand on fait des super combos. Et sinon, certains passages de l'animé qui sont vite fait sauter, quoi. On a plus l'impression d'avoir une version Kai du manga qu'autre chose, en passant tout ce qui est, les petits passages qui vont juger. Qui restent plutôt intéressants, mais bon, qui n'ont pas non plus grande importance, mais qui ajoutent plus de... côté sentimentaliste à l'animé. Enfin voilà, mais bon, si c'est que ça les deux points négatifs, franchement, pas de note à ce jour, mais bon, franchement, il est bien fun, il aura pas une excellente note, je pense, mais ça va, il tient la route. Sur ce donc, je vais m'arrêter là, j'espère que mon test de Attack of Titans vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien tout le monde, et à ciao.